Ah, il me faut un soin, de toute façon. Sans soin, c'est la misère. Juste un, quoi. Ah, c'est une catastrophe. 33, 36, ok, c'est bon. Je me rends pas compte du ratio dégâts mana chargé et non chargé. Hein. Ça fait mal le charger, hein, parce que le ratio danger est pas le même quand même. Ah bah non. Mais ici on joue le danger ici, monsieur, tu vois. Ah, je vais avoir 2 heals. Je ne l'utilise aucun tant que le boss est pas... Allez, à 40%. Tant que le boss est pas à 40%, pas de heal. Je ne mérite pas. C'est pas un trait qui méritera, ça veut dire. Mais oui, non, mais il faudrait peut-être que j'arrête de grider avec les attaques chargées. Après, elles sont tellement cool. Pas du tout. Pas du tout, Amélie. Non, non, un trône. C'est un monsieur. Un monsieur, un petit monsieur, pas très grand. Sur un putain... Les 4 trônes, t'as pas remarqué qu'il y a 4 trônes? Me dis pas que t'as pas vu les trônes, quand même, chez Pépé, là. Dans la salle, il y a 4... Il y a même 5 trônes géants, bordel de cul. Ah si, si, il y a quelqu'un dessus. Il y a un trône ou il y a quelqu'un dessus. En fait, c'est un peu le principe. Côté story, t'avais suivi, c'est le principe, en fait, qui est... Sur le... JPP. JPP d'Amélise. Non, mais non, je suis nul à chier. Non, non, ça fait vraiment tellement mal. Oh là là! Allez! Ok. C'est pas mal ça. Ça rattrape un peu. Ok, ça c'est vraiment très bien côté mana. Ça c'est vraiment très très bien aussi. Oh là, mais j'ai pas pu rouler dedans. Oh là là! Non mais stop! C'est un gangbang là! Encore? Mais je peux pas rouler à travers? Ou alors j'ai... Mais stop! Mais le boss me troll! Mais stop! Dites non au gangbang! Oh, je suis mort. J'ai full mana, quoi, non! Allez. Oh non, 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 passe ça. Allez! Allez. Une attaque et c'est bon, je pense. Non. Putain, j'ai pépé. Yes! Putain. Non, Amélie, j'ai jamais dit ça. Regarde bien toutes les armes, je n'achète rien. Donc déjà t'as trouvé le bonhomme, félicitations à toi. Regarde bien toutes les armes. Et il y en a une, t'aimes bien les grosses armes à deux mains, qui va être top. Il y a l'espadon qui est pas mal, mais il y a mieux que l'espadon. Ah, il y a un trophée pour le boss.
Ah mais le quadra explosion, l'enfer quoi. Merci le chat, merci. À la fin, je suis toujours bloqué ici. Ben ouais, chais, connasse. Non mais, je suis désolé, mais je ne peux pas te filer mon corps. Putain. Dommage. J'ai toujours voulu aller dehors, en portant ce petit ruban. Et voir comment il réagissait au vent sur une belle prairie. Alors, si t'aimes pas les marteaux, tant pis. Mais moi, je te parle effectivement du marteau de Vort. Il est pas court, il est ultra long et il a un effet de congélation. C'est des meilleures armes early pour les builds force à deux mains. Il est fantastique. Après, tu fais ce que tu veux. Poste de JV, voir le même petit jeu qui revient. Ce jour n'arrivera jamais. Oh, bichette. Après, si ta clé mort te convient, elle est très bien, la clé mort. Est-ce que le marteau est mieux? Oui. Est-ce que l'espadon de l'arbre est mieux? Je ne sais pas. Faut que tu regardes avec les dégâts de base, en fait. Est-ce que tu peux apporter le ruban sur une jolie clairière verte où le vent souffle à ma place? Oui, je peux. Yes, we can! Non. Tu m'as dit, c'est une arme vraiment longue, ça, qui a une belle portée comme la Claymore, Amélie. C'est ça qui est intéressant avec ce marteau. C'est un père, par contre, tu dois le prendre pour le coup. Le marteau, tu peux le bailler gratos. C'est-à-dire, j'en prendrai grand soin. Je te promets. Je l'amènerai dans une belle clairière où le vent souffle. Non, non, pour le coup, hérésie. En early, t'as rien qui fait plus mal que ça. Zéro âme, je peux le prendre. Après, tu fais ce que tu veux. Mais il va te coûter, par contre, l'arme de Vort. Et l'arme de Vort, elle te sert à deux choses, soit ça, soit l'anneau. Si on regarde bien maintenant la transposition, c'est ça que je vois rien que t'achètes tant que t'as pas compris. Sur mon chemin pour le trône. Sur le chemin du trône, tu n'auras pas besoin du ruban, c'est inutile là. Le chat, il est insupportable, je le déteste déjà. Ça va. C'est ce que je ferai. C'est ce que je veux faire. Merci. Non. Petite bichette. Ok. Ton âme est à nous. On va reparler au chat. On peut pas le buter, le chat. Avançons. Ferme ta gueule. Nique ta race. Il est quelle heure? Ok, 24. À 45, leave for Lana Ruins Lobby. Oh putain, nouvelle zone. Allez, c'est parti. Non, vraiment, Little Witch No Beta, c'est 8 balles ultra bien investi. Mais je vous préviens, c'est dur. Hein? C'est genre dur, dur, quoi. Je sais pas combien il y a de... À la poêle, le chat. Il y a des poils et tout, je suis pas sûr. Hein. Non, juste, on s'en débarrasse. Team Shiba. Oh, il est mon bibou, d'ailleurs. C'est beaucoup plus dur que Dark Souls 3 ou autre, hein, c'est... Mais voilà, donc Sanimis, la vidéo sur les Souls Like, c'est en plein boulot. Elle sera logiquement tournée vendredi. Elle sera montée ce week-end et sortira logiquement mercredi prochain. La poupée avec un ruban, dans l'essence de son âme, quelque chose est chaud. Donne de la chaleur plutôt. C'est un sentiment que je n'avais ressenti avec aucune autre essence d'âme. Et je te parie qu'à travers ma définition de Souls-like, tu verras une vérité peut-être, en ce cas des faits. Vous verrez. Tu perds ton temps avec des choses aussi inutiles. Non mais il est insupportable le chat. J'ai envie de fumer sa gueule. Tu n'as pas besoin du ruban pour aller jusqu'au trône. J'en peux plus. Je vais lui fumer sa gueule. Qu'est-ce qui va pas? Où est-ce que ça me mènerait si j'allais par là?
pour le trône, on doit aller par là. Non mais... On t'a posé une question, le chat. Juste pour une minute. Hé, hey, où est-ce que tu vas? Attends une seconde, tu vas pas te perdre là-bas. Saloperie, saloperie. Vive les chipas, ah bah les chats. Vive les chipas, ah bah les chats. Au pire, donc ouais, l'anneau, tu l'aimes ou tu l'aimes pas, Amélise, mais au pire, tu testes le marteau. Si t'aimes, tant mieux, si t'aimes pas, bah c'est pas grave, tu vois, c'est pas dramatique. Et l'espadon de l'arbre, j'ai jamais testé, donc je pourrais pas te dire s'il est cool ou pas. Alors, j'ai eu 123 âmes, je vais augmenter l'intel, on va passer à 10 en intel. Et bah tu verras dans la vidéo. Il y en a plein en vrai. Mais non, en vrai c'est Nioh. En gros, chose là avec c'est Nioh, c'est, il est fantastique Nioh. De très loin, à tous les niveaux, Nioh est un jeu incroyable. Tu vois, c'est ici Dexterous pour faire en sorte que le sort se charge plus vite. Et augmenter la durée de l'aura. Ça c'est pour taper plus fort que le bâton. Ça c'est de la vie, mais la vie ça sert à rien. On a pu voir. C'est Nioh, enfin Nioh à tous les niveaux, il est exceptionnel. Ah, ça marche, Hérésie, je pensais que tu parlais... En fait, comme on parlait du marteau juste avant, je pensais que tu parlais de ça. Donc voilà, parce que le marteau de Vort, c'est vraiment une excellente arme en early, tu vois. Alors qu'est-ce qu'il y a par là? Yes, sur ça. On me demandait quel était le sauvegarde que j'ai préféré. C'est Nioh. Tant j'en ai fait un. Je les ai tous faits, hein, les gros. Hein, mais Nioh, il est. C'est exceptionnel. J'attends vraiment de le restream avec impatience. Pendant mes streams du soir, avec mon pote Trail. Waouh. Et je sais que ça marchera pas. Mais je m'en fous, ça. Ah, c'est du one shot. On sera 40 le soir, hein, comme pour certains live. Enfin, FF, en vrai, FF, ça marche pas si mal. Mais je m'en bats les couilles, là c'est parce que ça sera avoué, mais j'aurais fait mes gros lives la journée et puis voilà quoi. Alors oublie pas Emelise, et si tu le mets à deux mains, est-ce que tu peux pas l'équiper? Si t'as 20 en force, si tu le mets à deux mains, je crois qu'il y a moyen que ça passe. Oublie pas l'histoire justement de la deux mains. Donc là faut jump. Ok. Merde. Wow 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 wow. Putain mais c'est Call of le bordel. Là demain ça passe. Ah écoute parfait, tu joues à demain non? Tu vas voir l'effet de congélation est bien vénère aussi pour les ralentir les mobs. Fâche. Oh. Mais non. Oh. Et le moveset est assez cool. Je préfère presque... Ah quoi que le... Non, je préfère le moveset des ultra espadons, mais voilà. C'est tant bien, Mortal Shell n'est pas un Souls-like, Sanimis. C'est un jeu sympathique, pourquoi pas, mais je l'ai détesté pour le coup, mais parce que c'est pas un Souls-like. Et ce qui m'a gonflé, c'est que les mecs de Mortal Shell ont fait une campagne de promo en mode suçage de bits de From Software, en mode on a pris l'essence de l'Arc Soulin, etc. Et ils se sont complètement plantés. Vous voulez un vrai jeu. Alors on aime ou on n'aime pas le visuel, ça c'est encore autre chose. Parce que Mortal Shell c'est très beau, techniquement parlant il est superbe. Mais ce n'est pas un Souls-like. Ça n'a rien d'un Souls-like. C'est pas parce que tu mets un feu de camp ou t'as les esquives que c'est un Souls-like. Il manque d'autres choses. Et notamment un point de gameplay ultra important. Putain. Dieu pour le coup nos bêta A, mais là je suis pas concentré. C'est 3, mais après ta clé mort elle était en plus 3. Mais pour, je crois qu'il faut les titanites scintillants. Non, c'est éclats titanites pour ça. Et ce n'est pas un Souls-like, Namis. Et c'est une honte, là, comme qu'ils ont fait. Ils se sont complètement plantés. Ils ont raté toute l'essence de Dark Souls, qui était à travers, justement, le level design, qui est à travers le gameplay instantané. Et donc, le vrai successeur, si vous voulez, un Souls-like est un successeur de Dark Souls 1, c'est... putain, j'ai plus son nom, évidemment, là. Quand je vais streamer... Ah, putain. Quelqu'un, je suis sûr qu'il y a des gens qui savent, là, qui m'ont vu streamer le jeu de SF. J'ai fait avec Azelos. Putain, je l'ai plus là. Et que c'est d'ailleurs très mal vendu là. Parce qu'il est sorti en même temps. Non, mais non, pas The Search, pas du tout. Mais non, j'ai streamé avec Azelos. Ah, c'est peut-être pas encore là. Ah oh, putain. Hellpoint, merci. Yes. Pas de soucis. Outward, mais pas du tout. Pas du tout. Oh.
Préautoire, faut que je vérifie, mais pour moi, il a rien à un Souls-like. De ce que j'avais vu, il a rien à un Souls-like. The Search, The Search. Hellpoint, il a tout du Souls-like. Instantanéité du gameplay, level design prononcé, exploration qui te récompense. Ta sœur. La zone, elle est ultra dure. Il y a tout, tu vois, qui va faire penser à Dark Souls 1. Et Mortal Shell, non. Les inputs sont lents, le level design est pauvre. Le personnage n'est pas une extension de toi. Le personnage, c'est je sais pas ce que c'est, Mortal Shell. Enfin, c'est pas du tout aimé. Hellpoint, c'est vraiment une pépite. Côté level design, ils ont atteint le même niveau que From Software, pour le coup. Hellpoint. Avec des raccourcis et une zone ultra bien travaillée. Sur le reste, ils sont 10, hein, donc forcément 11, 10 ou 11, je sais plus. Ils n'ont pas les mêmes moyens que From Software, donc sur le reste, on est loin, mais l'inspiration est là. Mais sur le level design, ils ont rattrapé le level design de Dark Souls. Bon, je me fais un peu péter le fion là. Hein. Restez tranquille là, boum. Donc Mortal Shell, la question n'est pas de savoir s'il est bon ou pas. Vous aimez pas Mortal Shell, je m'en tamponne. C'est juste pas un Souls-like. C'est pas une question de lenteur, ça que tu comprends pas. C'est pour ça que même avec la vidéo, j'espère que les gens vont comprendre, mais c'est pas forcément sûr. C'est pas une problématique de lenteur, c'est une problématique d'instantanéité. Lords of Fallen, ça répond au doigt à l'œil et à l'œil. Si t'as un Smirmork et que tu enfonces la pédale de frein, déjà c'est une très mauvaise idée, mais que tu enfonces la pédale de frein, ça va commencer à freiner directement, on est bien d'accord. Ça va mettre du temps à freiner, mais le freinage va être accentué. C'est-à-dire que ton moteur, il va répondre, enfin tes freins, ils vont s'actionner instantanément au moment où tu actionnes la pédale, sinon t'as un problème de liquide de frein. Pourtant t'as un Smirmork. Dans Mortal Shell, tu appuies sur tes freins et il se passe rien pendant bien 2 secondes, et ensuite il se passe un truc. Tu vois, c'est ça qu'on appelle l'instantanéité du gameplay. Et que les Souls, en fait, ont apporté. Et que Mortal Shell a pas du tout compris. Que je critique pas le gameplay de Mortal Shell, j'ai juste que c'est pas un Souls-like. Vous aimez pas ce style, why not? Ça, chacun son kiff. Putain. Je jure, c'est Call of le bordel, là. Lords of Fallen, c'est le premier vrai Souls-like d'ailleurs. C'est même pas le premier vrai, mais le premier Souls-like tout court. Putain, heureusement qu'il fait mal ce sort. J'en chie des bulles. J'aurais bien un peu de vie là surtout. Il est super chaud ce passage. Hein. Il est super tendu le passage, bordel. Comment je monte? Oh là là. Ah, j'ai réussi à bugger mon perso. Return. Ok. Ok. Arcane, ouais. Midrange, chicken shot. Midrange, consécutif missile. Donc j'ai encore deux autres. J'en ai encore. Deux autres que je connais pas là, et le counter. Ah mais alors là, le counter... Bon courage pour le placer, hein. Yes. Tiens, je suis curieux, attends, ça me fait revenir à la statue, mais je crois que je garde mes âmes, par contre. Yes. Ok, c'est pas mal. C'est comme un os de retour, quoi, pour faire simple. Alors... On va monter encore la mana, et... En vrai, un peu de charge power, ça fera quand même plus de dégâts. 30. Vas-y, un peu de stamina. Okay. Hop là. Allez, on y retourne. Très très chaud, hein. Très très. Donc là, comme ça, bon Souls. Tout à hip-hop, évidemment. Classique. Bon, Blues of Sir, j'en ai aussi. Mais je sais que c'est Animis, hein, que les gens ont du mal à voir la diff, hein, entre certains des jeux que j'ai pu citer. Ça va être mon rôle, effectivement, en tant qu'ancien étudiant, notamment du game designer, d'essayer de
fais un peu comprendre la différence. Mais même, tu vois, en l'expliquant, je vais essayer de prendre mon temps, et pas trop non plus, parce que je veux pas perdre les gens, tu vois. Le but de la vidéo, c'est pas de dire aux gens de passer 15 minutes, tu vois, à expliquer ce que c'est Soulslike. Je vais y passer peut-être 3 minutes et ensuite présenter les jeux. Mais Portal Shell, c'est une honte au Souls, c'est pas... Moi, ce qui m'a gonflé, en fait, là-dedans, c'est vraiment la com' des mecs, quoi. Comment tu tues la danseuse avec ton marteau, elle fait 4 coups, t'en fais un. Mais la danseuse, c'est pas maintenant. Tu lui fous la paix, la danseuse, surtout. T'y vas pas avec ton marteau éclaté au sol, Amélise. La danseuse, c'est un boss limit endgame, bordel. T'étais pas censé tuer le PNJ, bordel. Arrête de tuer les PNJ, JPP. Non, non, mais t'es pas le seul, t'inquiète pas. Elle l'a tué, la vieille. Non, mais pas la danseuse allotrique. Ah, yes. Alors, justement, Amélie, c'est normal qu'elle tape plus vite que toi. Et les mobs tapent plus fort que toi. Toi, tu peux te healer. Et tu as des... il faut que tu gères là-dessus la frame d'un vu. Est-ce que t'as bien vu ce que c'était la frame d'invulnérabilité pendant ta roulade, Amélise? Pour le coup. En gros, tu dois utiliser... c'est un truc à faire 100% à l'esquive, à la frame. Et oui, t'as le temps de mettre un coup, c'est pas le choquant. Après, logiquement, avec un coup de ton marteau, surtout s'il est amélioré au moins une fois ou deux, il a cru jouer ce genre de truc. Est-ce que t'as remarqué que ta roulade, parfois, tu passais à travers des coups d'épée ou autre, qui aurait censé te toucher, mais comme t'as roulé, ça t'a pas touché, alors que t'étais en plein milieu de l'épée. Oh là 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 là, non mais c'est Bagdad le bordel là. Putain. Non mais je suis déjà à moitié crevé quoi. Oh là là, non mais ce passage. Je connais le principe, mais je les vois pas. Faudrait que je te montre. Ça je montrerai. Je ferai un exemple, une petite vidéo sur la frame d'un vu. Parce que c'est le truc important à comprendre dans les souls, justement, la frame d'un vu. Ça et la parade pour ceux qui ont le sens du timing. Pour ceux qui, comme moi, n'ont pas le sens du timing, on doit faire avec la frame d'un vu. Enfin, j'ai pas un mauvais sens du timing, mais à la frame d'un vu, quoi, pas à la parade. La parade, j'y arrive, il faut que ça soit un truc nerveux, quoi, la Sekiro. Ouais, mais le milieu de la roulade, c'est pas assez clair, parce qu'au final, c'est trop léger, quoi. C'est un feeling, Hérésie. Tu peux l'expliquer 26 000 fois la frame d'un vu. C'est un truc à ressentir. Tu le fais vraiment au trip, à l'instinct. Purement et simplement. C'est pas un truc que tu fais. Tu le prévois, mais tu le prévois avec tes tripes au final. Et c'est ça la beauté des souls, c'est que tu joues à l'instinct. Tu peux vraiment jouer au feeling et tout sur le boss. JPP quoi. Oh là. Bonne soirée, j'ai tout zéro. Oublie pas les OS Game, 20h-21h. C'est OS Game des jeux du kiff. Oh là là, c'est du costaud. Hein. C'est. J'arrive pas à rentrer dans la zone quoi. En vrai, est-ce que j'essaierai pas avec un. On va réussir d'en aller avec l'arcane. Ouais. Après, eux, ils sont vraiment costauds. Hein. Mais pourquoi j'arrive plus à. Mais avance, petite. Mais cours, connasse. J'ai dû appuyer sur une touche. J'ai appuyé sur un truc, mais je sais pas quoi. Non, non. Mais... putain, cours, connasse. Attendez. Aim, shoot, use this card, action, dash, lock on, jump. Mais comment j'ai fait? Pourquoi elle est kéblo en marchant, cette connasse? Dash type toggle, game mode advance. DualShock 4, ça n'a pas du tout marché. Mais JPP? Elle veut plus quoi? Elle veut plus sprinter? Mais bordel! Bon, attendez, on va essayer de revenir à la statue. Les chiens sont insupportables pour le coup. Ah bah voilà! Bah écoutez, j'ai un petit bug, je pense, hein, parce que c'est bon. Ça peut être un petit bug. Bon, on va essayer avec le shot d'arcane. On va voir si ça change quelque chose. Pour me les faire à la... On va vraiment être en mode lance missile, quoi. What? Je l'ai pas one shot, le bordel. Putain.
oh là là, stop, stop. Yamete, Yamete. Non. Bon, je pense que là, c'est une mauvaise idée, l'arcane. Yamete, Yamete, Oni-chan. C'est ultra chaud. Non, non, je pense que c'était une mauvaise idée. C'est pas évident pour le coup, Amélis. Oui, le marteau est pas forcément évident. En fait, l'intérêt du marteau, c'est qu'il fait des dégâts de ouf. Supérieur à la clé mort. Par contre, oublie pas que ta clé mort, tu veux que tu l'améliorer, pas le marteau. Ce qui est normal pour l'instant qu'il fasse moins mal. Mais ouais, je comprends que ça soit pas évident d'y passer. Après, typiquement, sous la jupe, elle a une sorte de chaperon, je sais pas quoi. Y a rien d'excitant. Hein. Mourez là. Vache. Ok. Bon, on est pas mal. Alors, il y en a une là-bas. Okay, je peux pas la voir. Il y a celle ici qui arrive. Ça suffira. J'ai cru qu'elle allait esquiver tout mon truc. Ah bah oui, mais ça c'est 70%, je te l'ai dit. Quitte à enlever des pièces de stuff hein, ou à mettre des trucs ultra légers hein, pour justement jouer à la roulade et pas sur le tanking. T'as pris du cul, Amélise hein. Je vais pas te le dire, hein, ça reste entre nous, mais t'as pris du cul hein. Allez, c'est parti. Pitié, sois pas une meuf complexée sur ton poids qui va me casser les couilles à cause de ma petite blague. Please. Please, please, please. C'est une blague, innocente. Je ne sais même pas à quoi tu ressembles. Ah non, tu te rends pas compte, Selena. Avec les fragiles en 2020, on fait gaffe. Hein. Surtout que je ne sais même pas à quoi vous ressemblez, je connais pas vos tronches. Donc, tu sais, c'est un mode purement... Oh non, 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 mais stop, là. Stop, j'y... Et Roi Reja. Re ? Je t'ai pas vu. Et coucou Baraka. Je sais pas à quoi vous ressemblez la. Ah ! Les seuls où je peux savoir à quoi vous ressemblez, c'est qu'on met leur tronche dans le trombille. Et je comprends que les nanas sont parfois moins enclines à le faire à cause des casse-couilles. Parce que sur internet, il y a de tout. Et ça, je comprends. Pas de soucis. Donc, résultat, voilà. Hop. Tarez-vous. Putain de merde. Eh, c'est tellement dur. Il est quelle heure? 44. Ok, bon. Prochaine mort, je stoppe et je vais me faire à manger. Ok. Saloperie. Saloperie. Oh, mais les dégâts! Non, 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 merde, 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 merde. Putain. Ma mana fait la gueule. Au secours. Oh putain, il y a de la plateforme. Ok. Et si je tombe sur un boss, non, non mais il y a forcément une... Elle est où la prochaine statue là devant? Une statue, por favor. Oh non, 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 non. Oh, c'est nouveau, ça. What? Vite, charge, charge. Micheline, charge. C'est ultra dur, Little Witch No Beta.